Toutes les fois où vous n'avez pas été fier de vous-même, à chaque fois que vous n'avez pas été fier de vous-même, c'était parce que dans la journée, vous n'aviez pas été dans votre mission de vie. C'est parce que vous vous étiez trouvé ridicule. Mais par rapport à qui? Aux autres. Le doute naît par rapport à qui? Aux autres. On vous a injecté quelque chose dans la tête. Et parce que les autres vous injectent des choses dans la tête, que vous les croyez, vous avez oublié que les autres n'avaient que des opinions, et sur vous notamment, mais vous avez épousé leurs propres opinions à la con. C'est ça le leadership. C'est d'arrêter de vivre pour les autres, vivre pour soi, s'enrichir émotivement, spirituellement, en termes d'énergie et financièrement, pour ensuite redonner. C'est ça le leadership, c'est aider les autres sans être déstabilisé soi-même. C'est se grandir sans rabaisser les autres. C'est ça le leadership.